Salut tout le monde, c'est Kirvendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play de Super Mario 3D World. On arrive au monde 6 donc, le monde en gros des nuages. Mince, pourquoi j'ai fait B, ok. Donc le monde de nuages. On continue notre recette de faire un perso aléatoire à chaque fois. Hein. Pour l'instant, moi ça me convient. Alors, oula, on a vu un truc. Bah parfaitement. Oh, encore un frère de feu. À battre. Alors, troisième planque des frères de feu. Ils s'embêtent pas trop pour trouver les noms. Hein. À Luigi pour ça, par contre, c'est pas génial. Oula. Là, c'est un peu le bazar. Parce qu'il y a frère de feu, frère de... Oula. Frère marteau, frère de feu, frère boomerang. Oula. Voilà, super. Allez, à toi. Et voilà. Parfait. C'était pas si dur. Ça rappelle quand même vachement Super Mario Bros 3. Dans Super Mario Bros 3, il y avait plein de trucs comme ça où l'ennemi se baladait sur la map et on pouvait le combattre. Et c'était cool. Voilà, super. Je vais juste regarder si ça s'inscrit sur la map, ce genre de truc. Allez. Menu, non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà, alors. Mon dieu. Il y a plein de... C'est quoi les niveaux qui est tout en bas, là? Ah, c'est le truc avec les tampons, ok. Et là, il y a plein de niveaux dans les mondes, ça devient assez impressionnant. Au début, il y avait que 5 niveaux, quoi. Maintenant, il y en a plein. C'est super. Alors, et là, pour l'instant, je peux plus passer ailleurs. Oula. Allons là. On explore la map, hein. Ah, bah, le tampon. Tout simplement. Bon, je le récupère maintenant, hein. Toujours qui fait débloquer le tampon de l'esprit de la libella du monde d'avant. Voilà. Et là, on va débloquer... je sais pas, il y a 7 libellas. Bon, on va débloquer l'avant-dernière libella. On se rapproche de la fin. Même si je sais qu'il y a des mondes secrets. Mais pour l'instant, on s'approche de la fin. Allez. Super. Ok, bah on va se lancer. On va faire le premier niveau. Alors... Des tuyaux dans les nuages. Un niveau qui a l'air plutôt cool. Ah oui, ok, ça aussi, lui, on l'a fait 3000 fois dans les... Enfin, je l'ai fait à Paris Game Week, etc. Allez. Ah ouais, il est bien, ce niveau. Ouais, mais... Sauf que... Alors, on peut pas aller par là, il y a rien. Ah si, ok, il y a des pièces. Donc, à mon avis, il y a des trucs à récupérer. Voilà. Enfin, il y a... Voilà, c'était sûr, il y avait un nuage. Donc, il n'y a rien d'autre, ok. Alors, là, vous aurez compris, hein. Faut prendre l'étoile. Allez. Voilà, super. Par contre, elle reste pas longtemps. Mince. Ah bah si, ok. Elle est restée juste suffisamment longtemps, mais à la dixième de seconde près. Allez. Voilà, petite fleur de feu. Il est vachement bien comme niveau, je m'en souviens. J'en ai de bons souvenirs à Paris Game Week et Japan Expo. Mais là, je le redécouvre un peu parce que, bon, Paris Game Week, Japan Expo, on était un peu obligé de tracer parce que... déjà, parce qu'on s'en moquait de récupérer les 5 étoiles, enfin les 3 étoiles vertes, vu qu'il n'y avait pas de sauvegarde. Et en plus, parce que y avait du monde qui voulait jouer et tout, donc on traçait un peu. Et des saints. Voilà. Est-ce qu'on peut les buter, eux? Non, on peut pas. C'est revenu comme dans Super Mario World. Normalement, on peut pas les buter, les fusils. Enfin, on peut pas les buter comme ça. On peut les buter juste avec une étoile, il me semble. Je sais plus dans quel jeu on pouvait les avoir avec... Ah si, les carapaces aussi, je crois que les carapaces sont efficaces. Mais c'est tout. Ah, ça, c'est le passage bien embêtant, je me souviens. Où on passait 300 ans. Allez. Et ils sont rapides, les fusils, par contre. Voilà. Là, il y a pas des... Voilà. Mince. Non, c'est un raccourci, mais j'ai pas envie de le prendre. Voilà. Ok, rien d'intéressant, donc voilà. Allez. Voilà. Alors ça, c'est le truc qu'on va essayer 50 fois. Alors par contre, j'ai pas le tampon. Je sais pas où il est. Ah, là, par contre, il y a... Oula. Il y a une étoile verte. Voilà. Dans le passage là-haut. Ah
Allez, et voilà. En plus, on récupère ça. Ah bah, on l'a eu qu'une seule fois, en plus, cet objet. Pourtant, il est génial. Mince. Ok. J'ai loupé le turbo. Tant pis. Ah, il récupère l'étoile verte pour nous. Merci. Alors, là, normalement, je peux glisser pour les avoir. Ouais. Pas suffisamment pour gagner une vie. Ah, c'est dommage. Allez. Oula. Voilà, non. Oula, non mais... Mince. Ouais, non, allez par là. Super. Mince. Allez. C'est super chaud comme passage. Allez, donc là, on peut partir. Mince. Voilà. Mince, non mais... Pourquoi elle est partie par là-bas? Je m'étais pas dans ce sens-là. Non mais... Bon, tant pis. Ah, on réapparaît là en plus. Ma fleur de feu, voilà. J'en aurai besoin pour revenir dans le passage. Par contre, j'ai loupé le tampon. Parce qu'après, je sais que c'est la fin du niveau, donc il n'y a pas le tampon. Ah, ici, mince. Voilà, allez. Super. Là, je vais utiliser le raccourci. J'ai plus envie de faire le détour. Petite fleur de feu. Voilà. Enfin, si elle saute assez haut, ce qui est pas sûr, en fait. Je pense que je peux le toucher d'en bas. Allez. Bah. Ok. Allez. Mince. Bah si, ok. Il fallait rebondir sur le mur, tout simplement. Voilà. Super. Alors, on retourne au passage secret. Alors. Fasse gaffe. Ah, j'ai eu peur d'encore rater le turbo. Voilà. Super. Donc là, voilà. On glisse encore. Super. Là, on passe ici. Alors, je me souviens que quand on joue en multi ici et qu'on meurt dans cet endroit, et bah, ouais, non, c'était plutôt mal parti. Ouais, donc quand on meurt à cet endroit... Non mais, c'est pas croyable. Enfin, qu'on meurt à cet endroit, enfin que l'un des persos meurt à cet endroit. Il est incapable de revenir après en jeu, c'est assez incroyable. On avait tout essayé, mais ça ne marchait pas. Allez. Bon, là, faut que j'y arrive, là, c'est pas dur en plus. Mais, pourquoi elle fait ça? Mais, qu'est-ce qu'elle... Mais, c'est incroyable. Mais pourquoi? Enfin, la maniabilité, là, est complètement n'importe comment. Je sais pas si c'est le stick qui détecte mal ou quoi, mais enfin pourtant c'est super simple. Je veux aller vers le haut. Pourquoi il va pas? Je sais pas si je peux les avoir comme ça. Bah si, voilà. Ok. Voilà, là c'est bon. Je récupère à chaque fois la fleur, comme ça quand je réapparais je peux la choper. Voilà. Allez. Super. Le passage secret encore. Enfin, la zone bonus plutôt. Là, on chope les plantes piranha. Et voilà. Super. Le truc inutile et mince. Bon, tant pis, de toute façon, ça rapporte pas de vie alors. Voilà. Là, on fait gaffe. Là va en haut, là va... Mais elle part toujours du côté où je veux pas qu'elle aille. C'est incroyable. Voilà. Là, bien sûr, les fusils, en plus, ils sont mal fichus. Voilà. Mais... J'en reviens pas. Voilà, bon, enfin. Bref. Ah, lui, il donne pas de... Bah non, là, il peut donner des étoiles vertes, je les ai déjà toutes. Voilà, allez. Super. Un niveau pas mal, pas mal, même si le passage, il est... Enfin, le passage avec tous les fusils, là, je trouve que la maniabilité est pas très bien fichue. Je joue à la croix directionnelle, je sais pas si c'est elle qui détecte mal ou quoi. Tant pis. Voilà. Ok. Oh!
Un manoir debout encore. Voilà, merci. Allons-y. La nef des bouts, je crois. Ouais, la nef des bouts. On va voir ce que c'est. Oh! Trop beau l'effet de pluie sur l'écran. Oh mon dieu! Un voyou. Enfin, un moche. Je sais plus comment on dit. C'est un voyou ou un moche? Je sais plus. Pour les buter, il faut les faire tomber dans le vide. Voilà. C'était des ennemis dans. Oh, ok! C'était des ennemis dans Super Mario 64. Ils sont jamais réapparus depuis. Enfin, une fois dans ma carte DS, mais oula, ça compte pas vraiment. Ça compte pas parce que, bah, je veux dire, je parle des jeux de plateforme, quoi. Attendez, qu'est-ce qu'ils font, déjà? Voilà, ils nous poussent. En fait, ils peuvent pas nous faire de dégâts, mais ils nous poussent. Et ce qu'il faut, c'est les pousser dans le vide avant qu'eux nous poussent, tout simplement. Il me semble qu'il y a un boss inspiré d'eux. Enfin, déjà, il y a un boss inspiré d'eux dans Super Mario 64, ça, c'est sûr. Mais là, je crois qu'il y en a un dans le jeu, carrément, dans Super Mario 3D World, mais on verra quand j'y serai. Mais, par contre, là, c'est tendu. Allez, à tombe. Ok. C'est pas mal comme niveau. Et la musique, en plus. Trop triste. Ça, ça fait tragique. Oh! Un niveau bateau hanté, comme dans Super Mario World. Il y a quand même beaucoup de trucs pour le fanservice dans le jeu. Moi, je trouve pas ça mauvais, mais il y a encore beaucoup de trucs pour justement tous les fans de la première heure. Oula! Ok, viens ici. Oula! Non, oui, il y a un passage en bas, ça. J'avais pas vu. Allez. Ces petits passages en 2D, en plus, c'est marrant. Allez, descends. Ok. C'était moins une. Je vais récupérer ça. Voilà. Allez. Voilà. Super. Oula, vous venez en bas. Non, je voulais avoir la... Non, tant pis, j'aurais pas la boîte. Tant pis. Et tous les ennemis sont magnifiques, je trouve, dans le jeu. C'est... Ouah ! Ça m'a surpris et... Non, pas trop vite. Voilà, parfait. Super. Voilà, ouf. Là, c'était tendu comme passage, mais ça va, ça va. J'imagine qu'il faut les battre pour pouvoir pas procéder. Allez. C'est trop bien. Enfin, c'est un peu simplifié avec les boules de feu, mais c'est trop bien, j'adore. Allez, faut que je m'en débarrasse d'un des... J'ai eu peur. Allez, tombe. Voilà, parfait. Et voilà, ok, c'était pour faire apparaître la fin du niveau. C'est impressionnant au niveau graphique, ce niveau, par contre. Je suis réellement impressionné, là. Et voilà, en plus, le drapeau doré. Vraiment, vraiment bien. Super, même. Voilà. Alors, bah, niveau suivant. À chaque fois, je suis surpris de la manière dont ils ont fait les niveaux. C'est toujours... Enfin, c'est... C'est génial. C'est génial. Les niveaux sont super. Alors. Quel niveau optionnel? Et le niveau normal. Voilà. Les musiques sont super. Là, c'est de l'eau, je crois. Ça doit être des gouttes d'eau. Allez, là ça a l'air d'être une forêt toxique encore. Le radeau de la mangrove. Non mais c'est que Peach et Toad sur lesquels je tombe. Le radeau de la mangrove. Oula, ok, c'est ça en fait. À mon avis, il y a un truc en haut. Mais faut pas que je perde trop de temps. Allez. Oh non, il y a rien en haut. Ok, c'était juste pour montrer. Voilà. Super. Là, par contre, il y a forcément un truc. C'est bien ce genre de niveau où faut... On est sur un radeau ou un truc comme ça. J'aime bien. Voilà. Ok, oula! Ouh, j'ai eu peur. Il y a des trucs en bas, mais j'y reviendrai... Mais il n'y a rien ici? Je sais pas trop ce que je suis en train de faire, là. J'ai l'impression que je joue plein de trucs. Ah, un tampon. Ça, c'est bien. Voilà.
Ok, par contre, j'ai l'impression d'avoir raté quand même pas mal de trucs. On verra. Oh! Ah, allez. Oula! La feinte. Mince! Ah, j'ai perdu le chat. Tant pis. Ah, c'est la deuxième étoile verte. J'en ai loupé. Là, par contre, je peux plus aller vraiment là-bas. Je pense pas que Peach vole jusqu'à là-bas. Donc, on y va. Manière classique. Allez. Donc ça doit être ça les mangroves. J'en sais rien. C'est bizarre, comme c'est des nouveaux ennemis, on sait pas trop. Là, il y a quoi ici? Ah ok, juste des pièces. Bon, pas mal, il pourrait rien y avoir. Oula, mince. Pourquoi j'ai voulu faire mon fou en... Je pense que je vais les buter, il y a peut-être un truc qui apparaît quand on les bute tous. Enfin, si on arrive tous à les buter, mais elle... Voilà. Bah... Ok, non, y a rien qui apparaît. Je les ai toutes butées, y a rien qui apparaît. Tant pis. Je vais attendre le radeau. Ouais, j'ai loupé une étoile verte au début, mais je pense que c'était soit l'étoile verte, soit le tampon. Allez. Ah, voilà. Par contre, cette eau, c'est comme dans les New Super Mario Bros, j'imagine. On tombe dedans, on va mourir du premier coup. Mais je ne tenterai pas. Oh, on peut changer la caméra. Ouais, super. C'est... Mais on a vraiment... Tous les gens qui regrettaient un Mario 64, Mario Galaxy, Mario Sunshine, on a le sentiment de ces jeux, justement. Je trouve qu'on les retrouve. Bon, bah, je vais avoir aussi loupé une autre étoile verte, je crois. Ouais, parce que là, c'est la fin du niveau, et que j'ai plus de costume de chat pour monter. Tant pis. Allez, je vais voir ces trucs-là, on sait jamais. Bon, apparemment, il n'y a rien, pas d'étoile verte, rien. Dommage que j'ai perdu mon costume de chat, parce que là je vais être obligé de me choper le drapeau de cette façon. Voilà. Tant pis. Je sais pas s'il y a les niveaux arc-en-ciel qu'on a en ayant 166 au timer ou je ne sais quoi. Faudrait que j'essaye un jour. Oh mon dieu! Trop bien le nouveau tampon! Trop bien le nouveau tampon! Ah, faut à la fin de ce monde, faut que je refasse un truc avec les tampons, là c'est super. Oh! 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 Trop bien. Donc ça, c'est un voyou ou un moche. Je sais plus comment il s'appelle maintenant. Il s'appelle les bullies, en anglais, je sais. Et je sais que dans la première version de Super Mario 64, ils avaient été... la traduction disait que c'était des moches. Moches de lave, moches de glace. Et après, je crois que dans le remake Super Mario 64 DS, c'est devenu des voyous. Ouh! Ok, on ouvre les portes avec le tactile. Et comme je dis, hein, quand je fais aléatoire, c'est que Toad ou Peach, on dirait. Et oula! Merci. Voilà. Oh! La fleur boomerang! Le tas de boomerang est trop bien. Voilà. Voilà, en plus il y a un passage par là. Ok, qu'est-ce qu'il a lui? Ah, bon, déjà il y a un bloc. Avec un champi, c'est tout. Bon. J'ai l'impression qu'ils aiment bien faire des raccourcis comme ça inutiles. Oula! Mince, tant pis, j'ai pas tilté assez vite. Allez, oh, des pièces. C'est bien, ça, c'est ambiance japonaise et tout. Mais il y a que... Oula, dégage, voilà. Mais il y a que des nouveaux niveaux, on dirait. Enfin, des nouvelles ambiances, on dirait. Allez, venez. Oh, trop bien. Donc maintenant, normalement, les ennemis m'ignorent. Ils devraient plus me voir. Là, il y a rien. Non, il y a rien. Il devrait plus me voir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, j'imagine, il faut taper dedans. Mais je sais pas si c'est la suite du niveau ou c'est un truc optionnel. Je vais y retourner. C'est mignon, hein, un Toad Goomba. Voilà, ok, c'est un truc optionnel. Voilà. Il y a plus rien maintenant, ok. Et si jamais je prends la fleur de feu, là, je peux pas tirer. Par contre, je peux pas tirer de boule de feu. Je suis vraiment là. Tant que j'ai ce pouvoir, je peux rien faire d'autre. Oula, oh, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était un méchant qui sortait. Voilà. Ok. Voilà. Alors, maintenant, ils s'en moquent de moi. C'est comme si j'existais pas. Mince. Enfin, c'était comme si j'existais pas tant que j'avais le chapeau que j'ai perdu. Voilà. Par contre, aucune étoile. Oh!
Ouais. Non, mais ça, par contre, j'aime pas trop. Ça veut dire que je dois avoir un bloc quelque part. J'adore ce genre d'endroit où il y a plusieurs trucs à faire, on le sait, mince. Mais on les fait dans l'ordre qu'on veut. Je trouve que c'est bien fichu. Ah, par contre, il y a des spikes là-haut. Je sais pas comment ils s'appellent en français, mais... Ouais, allez. Mais ça doit être quelque part par là. Mince. Là, viens ici. Voilà. Super. Donc là, ah bah non, mais on peut. L'étoile verte, on peut l'avoir avec ça. Ah bah non, on peut pas, c'est trop bas. On peut l'avoir qu'avec un truc volant, comme dans le trailer. Mais il n'y en a pas ici, enfin j'en vois pas. Enfin, il y en a peut-être un ici, justement. Allez, voilà, il y en a plein ici. Ouais, comme ça, quand on joue à 4, chacun peut avoir le sien, pas de dispute. Voilà, classique. Par contre, j'ai vraiment loupé une étoile verte. J'ai quand même exploré un peu ce coin, parce que il y a moyen qu'il y ait. Il y a des trucs que j'ai loupés, genre une autre étoile verte ou un tampon. Je vais voir si je peux pas monter. Il y a moyen, je pense, qu'on monte. Voilà. Plus haut, ça, j'en sais rien. Ah bah si, et voilà. Oh! La sortie est ici? C'est une sortie secrète ou c'est la sortie normale? J'en sais rien. C'est bizarre. C'est très bizarre, en effet. Ça, on peut pas le casser. Apparemment, non. Ouais, bah, je vais prendre le passage, on va voir. Oula, ok. Voilà. Je sais pas du tout si j'ai pris la bonne sortie ou quoi, mais si j'ai pris un raccourci ou si c'est une sortie secrète. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas de sortie secrète dans le jeu. Enfin, il y en a eu une au début, là, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup de sorties secrètes. En tout cas, d'après ce que j'ai compris, les sorties secrètes nous font venir des tuyaux qui nous emmènent dans un autre monde, mais il n'y a pas de sortie secrète qui nous ouvre de nouveaux niveaux, en fait. D'après ce que j'ai vu. Là, allez. Donc là, barrage du prince voyou. Ok, donc c'est devenu... C'est toujours les voyous. Allez. Mais Peach ou Toad, toujours à l'aléa. Allez. Voilà. Mince! Ok. Là, allez. Dans le tuyau. Mince! Super. Voilà. Bah, qu'est-ce qu'il devient? Ah, ok, d'accord. Donc j'imagine qu'il faut faire ça plusieurs fois. Ça paraît très logique. Voilà. Mince. Ah! Mince. Ok. Le pauvre. Le pauvre. Prince voyou. Voilà. Bon, c'est pas très difficile, surtout qu'il peut pas vraiment nous faire de dégâts, sauf avec sa boule de feu, mais lui en soi, il ne nous fait pas de dégâts. Mais bon, c'était plutôt pas mal. Mais je l'avais vu dans le trailer, lui, et je pensais que c'était un boss de fin de monde. Et apparemment non, c'est juste un boss, un mini-boss à l'intérieur du monde. C'est pas si mal non plus, mais un peu dommage. Alors, vas-y. On va pouvoir progresser. Allez. Oh. Un niveau de neige, apparemment. Allez. Avançons sur le petit arc-en-ciel. Ouh, ça, ce niveau aussi, je l'ai fait à Paris Game Week. Alors là, il y a un truc, non? J'essaye de souffler, ça fait rien. Non, moi, je sais pas comment on peut l'avoir. Il y a forcément un truc, mais j'ai essayé en soufflant, ça n'a rien fait. Tant pis. Alors, Bastion Bilbal. Ah, je devrais peut-être essayer de le toucher au tactile. Je vais voir après. Donc ça, c'est le niveau sur lequel j'ai perdu à la Paris Game Week parce que je me suis retrouvé avec Peach dedans. Et donc même si Peach est bien dans certains niveaux, là elle est très mauvaise parce que comme vous pouvez vous en douter, c'est le mec qui avait Luigi qui a gagné. En même temps, il a fait dès le début des sauts de ouf et forcément, il a pu... forcément, dès le début, il nous a perdu en fait. Là, je me suis retrouvé en bulle dès le début parce que Peach, elle saute super pas haut. Donc Luigi, lui, il a skippé tout le truc. Mais bref, c'est dommage. Enfin, j'ai gagné toutes les poules en fait. Après, je suis arrivé. J'ai perdu quand je suis arrivé au niveau de. Comment on dit? Après les qualifications, quoi. Je sais pas comment on dit. Je m'y connais pas trop pour ça.
Je sais qu'il y a plein de trucs que j'ai dû louper. Donc là, j'explore un peu. Oula. Ok. Voilà. Donc là, qui y a-t-il? Apparemment, juste un raccourci. Ouais, juste un raccourci. Ok, avançons. Mm-hmm. Alors, ouais, non. Mais j'ai loupé plein de trucs, on dirait. Et qu'est-ce qu'elle a, elle? Donc là, voilà, il y a le tampon tout là-haut. Faut pas que je l'oublie. Il y a l'étoile verte là-bas. Il y a une boîte rose ici. Donc ça fait que j'ai loupé une étoile verte par ici. En déduction. Donc là, ça doit être par là. À mon avis, il n'y a pas des trucs là-haut pour rien. Donc déjà, là, il y a du temps. Oh, voilà, l'étoile verte est ici. Allez. Voilà. Donc là, on peut péter les trucs. Il y a peut-être un truc intéressant dedans. Ok, un champi. Ils aiment bien nous donner des champis, mais juste des champis, quoi. Le truc pas forcément très utile, mais bon. Allez. Donc là, faut monter. Il y a un truc là-haut. Voilà. Ça, je vais récupérer. Ok. Alors, oh. Bon, ça, si c'est censé être difficile, je pense qu'il faut revoir leurs critères. Voilà. Alors, il y a une autre étoile verte. Oula. Oula. Ok. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Là, j'ai un peu paniqué. Oh, un autre costume de chat. Cool, comme ça, si je perds le mien, c'est pas grave. Voilà. Allez, Bilbal ne nous donne pas de points quand on les bute. C'est nouveau, ça. Voilà. Alors, là, ça doit être par là, non? Oula. Déjà, là, il y a un passage. Avec rien. Enfin, des pièces. Bon. C'est déjà bien. Voilà. Oula. J'ai eu peur, je m'y attendais pas. Alors qu'en fait, ça paraissait logique. Allez. Donc là, là, je sais qu'il y a une étoile verte pas très loin. Non, elle est pas là, elle est un peu plus loin. Est-ce qu'on peut la voir? Ouais. On peut. Ah, en fait, on le bute pas. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on le. On le désoriente. Enfin, oh, il y a un Luigi là. Il y avait un Luigi dans le bloc. On sent que Nintendo s'est encore éclaté pour l'année de Luigi. Hein, mettre des petites références comme ça un peu partout à Luigi. Allez. Un Galumba. Voilà. Allez. Là, je peux. Ouais, là, il y a un truc. Par contre, c'est par ici. Donc là, faut monter par là. Ensuite, faut s'accrocher là. Et voilà. Par contre, là, avec Peach, j'avais réussi à la voir, celle-là. Dans le concours. Et c'est pour ça qu'au fait, au final, même si au début, je me suis retrouvé en bulle tout le temps, et ben, j'ai perdu, mais à quelque chose comme 4000 ou 5000 points près, ce qui est pas énorme. Les autres, ils étaient par contre derrière. Ils avaient quelque chose comme 500 points. Moi, je devais en avoir quelque chose comme. Quelque chose comme 2000, je crois, et l'autre, lui, il en avait, bon, 2500, voilà. Et voilà, parfait. Parfait, tous les niveaux jusqu'à maintenant sont parfaits. C'est génial. Allez, alors, donc là, je vais... Ah oui, faut pas que j'oublie le truc avec les nuages. Allez, Galumba. Voilà. Ok. Et après, je ferai le niveau, là, avec les machins qui soufflent. Ça a l'air d'être des fous géants. Je crois qu'ils s'appellent comme ça, les fous... genre F-O-H. Oh, mince, elle apparaît tout là-bas. Bon, je vais y aller quand même, mais juste après ça. Allez. Voilà. Juste après ce truc-là. Non, je vois pas du tout. Je la touche au stylet, ça ne fait rien. Tant pis. Bon, allez, on va à la... On va au bingo. Où est-il? Ah, il est là. Voilà. Oh, trop bien ça! Avec le chat, on peut cheater comme ça. Ouais, enfin, faut y arriver déjà. Voilà. Ah non, mince, là, ça n'a pas marché. Mais au début, ça a marché. Je suis plutôt content. Voilà. Alors. Allez. Super. Donc maintenant, on va à ce niveau-là. Comme j'ai dit, niveau avec les fous là, je sais pas comment ils s'appellent en français, bourrasque sur le mont poudreux. Donc on connaît pas même pas leur nom. Voilà, Todd et Peach tout le temps. Moi ça me dérange pas, Todd c'est mon perso préféré dans le jeu. Mais... Oula, oula. J'aimerais bien un peu avoir d'autres persos. Est-ce qu'on peut le buter? Non, on peut pas le buter. J'ai perdu mon chat, dommage. Je
Surtout que je suis sûr qu'il aurait été utile dans le niveau. Genre là. Ouais, à mon avis, il était utile pour aller là-haut. Dommage. J'ai cru qu'on pouvait les buter, mais non. Oh, c'est quoi ces trucs? Oula. Oh, ok. J'ai été un peu surpris. Allez. Mais je veux ta chaussure. Voilà, sauf que pas tout de suite. D'abord, je vais voir s'il n'y a pas des trucs là intéressants. Voilà. Ça aussi, ça rappelle vachement Super Mario 64. Non, à mon avis, il n'y a rien d'intéressant. Ah, là, si, il y a une étoile verte. Là-haut. Allez, mince. Ouais, si j'arrive à la... Ah, bah, ok, il suffit de se... Mince. Ok. Allez, Todd qui saute vraiment pas haut. Voilà. Il faut que j'essaye de... Ah, mais j'ai une transformation de chat, mince, je l'avais pas vu. Ah, bravo. Enfin, je l'avais pas vu, je l'avais oublié plutôt. Ah, mince. Oh mon dieu. La feinte. Allez. Voilà. Par contre, on perd vachement de temps avec ça. Ah, là, c'est mieux comme ça. Voilà, super. Je vais quand même essayer d'aller juste là pour récupérer les bonus, s'il y en a un. Et il n'y en a pas. Voilà, ouf. J'ai eu peur. Allez, allons récupérer la chaussette. Allez, où est-elle? Elle est là. Voilà. Comment se dirige-t-elle? Bon, pas si mal. Pas si mal, pas si mal. Elle a quand même du mal à tourner. Mince. Bon, j'arriverai jamais à attraper le truc. Voilà. Donc là, on va monter, même si c'est plus très pratique maintenant. Oula. Ok. Bon. Ça sent les passages galères. Ah mince, ok, on la perd dès le premier choc. Bon, tant pis, avançons. Allez. Allez. Voilà. Super. Oula. Là, va falloir attendre le bon moment. Mais comme Todd court. Voilà, allez. Bah non, de toute façon, il peut glisser. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir là-bas? Oh, encore des chaussettes. Moi, je les veux. Et elle, qu'est-ce qu'elle va me dire? Donc là, il y a une étoile verte. Par contre, là aussi, donc il y en a encore une ici. Et par contre, je vois pas de tampon. Je ne vois pas de tampon. Bon, dommage. Enfin, peut-être que je le trouverai d'ici là, mais... Allez, toi, viens ici. Super, allez, viens. Là, maintenant, on va par ici. Voilà. Oh, plus l'autre, il me suivait. Oula. Ok. Voilà, plus vite. Oh, c'est génial ça. Même si j'ai mis un peu trop de temps au départ. Ouf, j'ai eu peur. Au début, j'ai mis un peu trop de temps à accélérer. Oula, donc là, va falloir passer. Voilà, mince. Ok, attaque rodéo. Ouf. Mince. Ok, allez, un bonus. Non, aucun bonus intéressant. Ah, bon, tant pis. Vous partez, partez. Allez, un champi. Ouais. Super, toi, viens ici. Allez, venez ici, mes petits. Oula, il y a déjà plus de temps. Allez, viens. Voilà, il n'y a plus de temps. Ça, c'est pas génial. Allez, mince, j'ai compris comment on fait, mais non, je vais y aller. Mince, mais je voulais rebondir sur le mur. Ah oui, mais non, mais comme je me suis lancé, je pouvais plus. Mince. Allez, donc là, j'ai pas besoin. Normalement, ah si, j'aurais... C'est plus simple, voilà, allez. Super. Oh mince, oh non. Oh non, oh, j'aurai pas le temps. Allez, plus vite, plus vite. Oh non, j'aurai pas le temps. Oh non. Oh, juste devant, oh mon dieu. Tout ça parce que Todd l'a loupé au début, mince. Ah, ça me dégoûte ça par contre. C'est typiquement le genre de truc. Voilà, allez. Mais pourquoi je le prends en fait? J'en ai pas besoin. Voilà, en plus je le perds là. Allez. Et détruis ça, voilà. Voilà, ok, parfait. Bah où était l'autre? Ah oui, je disais où était l'autre étoile verte, mais je sais très bien où elle est l'autre étoile verte. Celle qu'ils m'ont fait louper. Oula. Oula. Ouf, j'ai eu trop peur. J'ai paniqué.
Allez. Voilà, donc là c'est la fin du niveau. Ouf, encore. Mince. Ah oui, sinon c'est bon. Et voilà. Malheureusement, il faudra que je refasse le niveau plus tard pour avoir... Ah bah, et le tampon et l'étoile verte que j'ai lamentablement perdu. Enfin, lamentablement loupé. Allez. Cool. C'est super. On a que des tampons. Bah non, j'ai eu le tampon. J'ai pas vu où, mais je l'ai eu. J'en souviens plus. J'ai trop perdu dans le niveau, donc j'en souviens plus. Maison de Todd, ok. Allez. Voilà. Je suis quand même allé là, voir. Allez. Il y a vraiment que des pièces, hein. Il n'y a aucun bonus. Tant pis. Alors, filon de fusil. Je crois que c'était un des niveaux du trailer aussi. Mais... Oh, l'aléatoire, mais ils le font exprès, hein. Ou Todd, ou Peach. Voilà. Ok, oh, trop bien, Tanuki. Voilà. Ça, par contre, c'est bien. Je suis content. Oula, qu'est-ce qu'ils font les fusils en bas? Voilà, oula. Ils se répartissent bizarrement. Là, ok. Oula, mince, oh! Ouais. En plus, je le savais. Mais dommage. J'ai mal joué, j'ai mal joué. C'est de ma faute. Allez, allez. Voilà. Oula. C'était peut-être pas le truc à faire, et là non plus. Voilà. Ok, allez, allons-y. Super, allez, viens. Ça sert à quoi? Mince! Oh non! Mais bon sang! Allez. Là, ok, classique. Allez, on avance. Il y a une étoile verte là-bas. Je sais pas trop comment... Ah ok, attaque rodéo sur les nuages, ça les fait toujours disparaître. Normal. Là, allez. Là, normal. Allons-y. Bon, rien d'intéressant. Mince! Mais je me débrouille super mal, en fait. Enfin, c'est juste que je fais pas assez attention, en fait. Allez, oula. Ça fait quand même très bizarre que les Goombas ne puissent plus tomber au bord des plateformes. Ils le font parce que sinon, ça aurait énormément simplifié le jeu. Il y a plein d'endroits où les Goombas seraient morts bêtement. Mais ça n'empêche que je trouve ça assez bizarre. Ça va, enfin, on n'est pas habitué, quoi. Allez. Ok, ok, ok. Et ben là, j'ai tout, en plus. J'ai toutes les étoiles vertes et tout. Et j'ai le tampon. Super. Ah ben, ça va être la fin du niveau. Ok. Là, ça devient plus clair, d'un coup. On est rassuré. Et voilà. Ok. En plus, avec le sommet du drapeau. Un super niveau, même si j'ai perdu mon Tanuki, et je suis même devenu mini. Oh, un fusil. Là. Alors, qu'est-ce que ça va être le truc, là? Le point d'interrogation. Un tuyau? Oh, un tuyau. Voilà, et donc après on va pouvoir aller au boss. Ok. Ça va nous amener où, ça? Oh! Trop bien! C'est vrai, je l'avais complètement oublié, ça. Ok. J'avais complètement oublié ça, mais trop bien. Allez, aléatoire, en espérant tomber ni sur Todd, ni sur Peach. Ah, Mario, ok. Oula, pourquoi il y avait ça? Ok. Bah, ah, ok, d'accord. Ok, pas mal. Mm-hmm. Voilà. Allez. Oula. Ça, tout de suite, ça a l'air un peu plus dur. Ah non, c'est bon. Là, il y en a que 5. Enfin, que 5 entre guillemets. Oula. Oula. Bah.
Ah mince, non, non, c'est pas... Ah ok, je vais le refaire quand même, juste une fois. Non, je me suis... J'ai mal joué, là. Voilà, donc ça, classique, hein, là. Hein. La première, c'est quand même difficile de pas l'avoir. Après, là, c'est plus... ça. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, là. Ok, là aussi, c'est pas dur. Voilà, normal. Donc là, après, je vais essayer juste de balancer... Enfin, normalement, il faut que j'ai ça. Voilà. Et après, normalement, ça tombe tout seul. Voilà. Parfait. En plus, on gagne une vie. Que j'avais gagné tout à l'heure, d'ailleurs, je crois. Alors là, par contre... Oula. Ok. Okay, donc là, c'est juste se dépêcher. Mince. Oh non. Oh non. Oh non. Mince. Oh, juste devant. Ça, par contre, ça m'arrive un peu souvent. Donc, je vais quand même la refaire une dernière fois parce que... C'est pas dur quoi, c'est juste que je me suis mal pris. Allez. Donc là, ok, normal. Un peu casse-tête, mais j'ai compris tout de suite comment fallait faire. Là, allez. Super. Maintenant, elle qui est aussi pas mal. Voilà. Super. Oh, avec une vie encore en plus. Voilà. Super, donc là le dernier et voilà, parfait, super, avec toutes les étoiles vertes. Mais j'ai préféré celui d'avant parce que là bon c'était, enfin c'était bien, mais j'ai préféré celui que j'avais fait avec Todd là dans le monde, donc 4, je l'ai trouvé un peu mieux. Allez, alors ça, franchement, je sais pas du tout. Si quelqu'un sait, ça m'intéresse. Comment on fait pour y aller? Bon, alors. Voilà. Brigade Bobon de Bowser. Avec Todd, ok. Merci encore l'aléatoire. Bon, tant que l'aléatoire me met mon perso préféré, c'est pas grave. Et c'est peut-être pour vous, vous allez peut-être finir par vous lasser de voir tout le temps Todd. Oula. Ah, pas mal. Je m'en souviens bien. Oula. Mince, ah, j'ai eu peur. Mince! Oh! Voilà. Oh, trop bien. Tanuki. Meilleure transformation. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? Bah, rien du tout. C'était juste histoire d'illustrer. Voilà, par contre, la bombe, je pense qu'elle est un peu plus utile. C'est. Ouais, si. Mince! Ouais, bah, si je l'ai eu, tant pis. Oula! Ok, je saisis pas trop quel était l'intérêt, mais bon, pourquoi pas. Oh, pas mal, pas mal. Super. Je sais pas si ça reste pour toujours comme ça ou quoi, mais c'est bien. Allez. Super, les petites pièces rouges. Pour un tanuki, trop bien. Todd Tanuki, il est vraiment trop bien. C'est la meilleure transformation du monde. Allez. Donc là, faut faire gaffe au pic. Voilà. Super, sauf que je vois pas trop à quoi ça servait, mais pourquoi pas. Ouais, il y a un truc là ou quoi? Non, même pas. Ok, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai loupé un bloc dans lequel il y avait certainement une bombe. Ça m'aurait pas étonné. Voilà. Oh, des pièces. Mince! J'ai donné un coup de queue, mais ça ne l'a pas eu. Bah. Mince. Ok. Bravo, bravo, bravo. Là, il y a une étoile verte qu'il faut que j'ai. Qu'il fallait que j'ai. Mais sans tomber dans le vide. Allez. Ah, on recommence du tout début? Ouais, bon. Oh, je laisse tranquille. Là, normalement, il y a un... Voilà, je m'en souvenais. Là, voilà, trop bien, le tanuki. Voilà. Bon, ça fait juste apparaître quelques pièces ici. Oula! Ah, j'ai eu peur, je croyais que je tombais déjà dans le vide. Voilà, super. Toi, viens ici.
J'ai besoin de toi là-haut. Voilà, parfait. Ah bah non, en fait, ça sert vraiment à rien. En fait, c'est juste pour illustrer. Voilà. Oula. Oh, mon Dieu. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Voilà. Là, ok, juste ceci. Ah oui, c'est vrai. Mais toi, tu vas exploser, s'il te plaît. Voilà, merci. Mince, mince. Oh. Pourtant, c'est pas dur. Voilà. Voilà, en plus débarrasser de lui. Là, j'ai besoin de la bobombe qu'il y a ici. Je vais avoir besoin de toi pour là-bas. Ah ouais, j'avais raison. Il y avait bien une étoile verte ici. Allez. Je sais pas du tout à quoi ça sert, ça, par contre, mais bon. C'est peut-être pour nous simplifier, pour tuer le Koopa, enfin, le frère de feu. Peut-être. Voilà, super. Ça, c'est quelques pièces. Voilà. Ok. L'étoile verte. Vraiment bien comme niveau, hein. Vraiment bien. Par contre, j'ai pas eu le tampon. Je vais essayer de prendre elle, parce qu'il y a un moyen qu'elle serve. Ouais, voilà. J'avais raison. Et voilà. Tendu, hein, le dernier tampon. Qu'est-ce que ça va être, ça? Oh! Ok, bon, pourquoi pas. Ça, par contre, je suis un peu déçu. Parce que Boom Boom, ouais, voilà, je le connais un peu par cœur. On l'a eu déjà 3 milliards de fois. Il est pas mauvais comme boss, quoi, mais... Bon, on l'a eu tellement de fois dans Super Mario 3D Land que... Ah, donc là, c'est le vrai. Par contre, c'est bien parce qu'à chaque fois, il a de nouveaux pouvoirs. Genre dans Super Mario Bros. 3, quand on le battait, il devenait plus rapide, des fois, il volait et tout. Puis là, ça va, ils l'ont rendu invisible, ils lui ont donné tout le pouvoir de se décupler. Il est toujours très simple, mais il a de nouveaux pouvoirs, donc ça se renouvelle un petit peu. C'est pas non plus transcendant, mais ça va. Allez. Allez, petit Todd, vas-y. On va débloquer une nouvelle Sprixie. Voilà. Quelques petites pièces. Et voilà. En plus, le sommet du drapeau, toujours. Et il est trop bien, Todd Tanuki, c'est incroyable. Voilà. Cool. Alors, ça va être quoi comme tampon? Oh, ok. Bon, je vais rien publier en fait parce que ça ne vous ferait pas votre temps, mais moi je publierai après la vidéo un truc. Allez. Voilà, construit la suite. Allez. Sauvegarde. Ok. Voilà, donc je vais vous laisser là. Je vais juste rentrer dans le tuyau. Ouh. Eh ben non, c'est pas fini. Je m'en doutais. Il y a un boss spécial. Souvent quand il y a Boom Boom, oui, ils nous foutent un boss spécial. C'est génial. Donc allons-y pour ce niveau cirque. Avec un boss particulier. Globuloboss, voie rouge. Oh, ça s'annonce bien. Oui, c'est vrai, là, il n'y a pas de niveau, il y a juste un boss. Ouh, s'il nous donne la double cerise, c'est que ça va être utile. J'adore parce que même le son de leur voix est décuplé. Oh, c'est trop bien. J'aurais dû avoir Todd parce que... Une armée de 5 Todd Tanuki, ça aurait été trop mignon. Ouh! Ils n'ont pas l'habitude de ce genre de design dans les Super Mario. Ah oui, j'avais vu un screenshot de lui. Apparemment, faut l'éclater en plein de morceaux. Je sais pas trop comment, mais on va voir. Oula, ah non, il s'éclate tout seul en plein de morceaux, en fait. Et ah non, voilà, en fait, faut avoir le centre, je crois. Bref, j'en sais rien. Allez, donc là, on l'évite. Il a pas l'air très dur comme boss, mais il a l'air plutôt cool. Voilà. Je suis en train de détruire tous les petits... mince.
tous les petits trucs. Ah bah par contre j'ai des... j'ai perdu mes doubles. Voilà. C'est trop bien le nouveau moveset là. En fait ça sert à rien de détruire les boules. Quoique, ah, il y a peut-être moyen de... Je vais quand même essayer de voir si on peut gagner des vies comme ça en détruisant toutes les petites boules. Allez. Ah ouais, apparemment il y a moyen, mais il faudrait rebondir de boule en boule et c'est... Ah non, en fait, non, on peut pas. On ne peut pas. Allez. Bah voilà, déjà débarrassé. Il était plutôt facile, mais vraiment très original, j'ai bien aimé. Allez. Ah, les pièces. Super. Ok. Par contre, j'ai pas vraiment compris à quoi servait réellement la double cerise, vu qu'il suffisait de le taper lui. Mais bon, tant pis. Voilà, allez, allons-y. Et voilà. Avec le drapeau doré, je crois. Oui, oui, ok. Donc voilà, on va aller juste au monde suivant et je vais vous laisser. De toute façon, on se retrouvera comme d'habitude demain pour la suite. Hein. Il y a... On se rapproche, je pense, de la fin. Enfin, de la principale fin. Je ferai en vidéo tous les mondes spéciaux, mais je pense déjà qu'on se rapproche de du Bowser, quoi. Alors. Voilà. Réussi. Ça débouche le tuyau. Et on va arriver au monde 7. Ouh. Ok. Avec... Ah bah l'avant-dernière, ok, non. Je... Non, la dernière, bref, j'en sais rien. Donc ah, on est au monde, c'est pas monde 7, en fait, c'est monde forteresse. Ça s'appelle comme ça. Ça, ce jeu est une bombe, oui, ok. Hé, hey, c'est Willy, ok, ouais. Voilà, ok, je mettais ouais, maintenant faut que je règle ça... Ah, souvent c'est mauvais signe quand ça fait ça, parce que l'hiver, il y a quand même quelques problèmes de connexion de temps en temps, c'est assez, assez fou. Ah voilà. Ok, donc en tout cas merci à tous d'avoir suivi cet épisode de mon let's play de Super Mario 3D World, et on se retrouve demain pour la suite. Bye !